a été proposé là dans ce projet avec l'équipe enseignante, c'était que l'atelier bivouac intervienne avec les collégiens, donc les faire participer, contribuer à ce projet dans toute la partie réflexion, de conception, mais aussi était prévu voilà, qu'ils interviennent sur la partie chantier. Donc pour nous, ce qui est important, c'est de les impliquer parce qu'eux, ils connaissent en fait leur cours d'école, ils le vivent au quotidien et ils ont voilà, un regard aussi sur les usages, sur les manières de s'installer, sur les fonctionnements, dysfonctionnements de la cour, sur les endroits qui sont privilégiés. Donc voilà, aussi s'appuyer sur leur expertise des usages et de leur regard un peu du quotidien qui, voilà, qu'ils ont le temps d'apprécier pendant 4 ans. Donc, suite à la première résidence de conception, avec l'atelier bivouac, on s'est approprié toutes les idées qui ont germé avec les jeunes et voilà, de réfléchir à partir de tout ce que les jeunes proposaient de manière d'investir les lieux, des différentes manières de s'approprier, de différentes manières de s'asseoir, de comment est-ce qu'on... voilà, tous les usages qui pourraient être développés et d'imaginer des constructions qui proposent justement une diversité de manières de s'installer. Donc c'est des constructions qui sont relativement généreuses, qui sont installées principalement à l'ombre et ici qui proposent voilà, d'être en situation de surplomb par rapport à la cour. Donc il y a eu tout un travail de conception sur lequel on a travaillé voilà, sur ordinateur, de modélisation et cette, voilà, les premières esquisses ont été proposées et présentées aux jeunes voilà, de manière à avoir des retours sur le travail qu'on a fait. Et voilà, du coup l'ensemble de l'équipe et de l'équipe pédagogique et des jeunes ont validé le projet. On a souhaité évidemment faire intervenir une scierie locale donc, qui est située à Ornans, donc à une demi-heure au sud de Besançon, bah, dans l'idée voilà, d'apporter du bois qui est relativement local, qui a poussé dans la région, scié à proximité. Donc, c'est un bois qui va être aussi relativement adapté au climat de Besançon.